Bonjour, chers amis qui nous suivent sur la www.petitecotetourisme.com, votre première chaîne spécialisée dans le tourisme au Sénégal. Nous sommes ici au cœur des chantiers de restauration des plages de Sali. Comme vous le constatez, les travaux avancent. On est en train de suivre ça de près pour vous rapporter vraiment l'état d'avancement des travaux. On a fait une visite où on nous parle de la mer, des travaux qu'ils sont en train de faire ici en fait. Je trouve que ça avance et en plus que c'est bien pour nous parce qu'on en bénéficie. C'est-à-dire que ça me fait trop heureux de voir les gens travailler comme ça. Pour moi, c'est vraiment un bon espoir parce que je me rappelle qu'il y a quelques années, j'étais ici. Je voyais que la mer est en train de tout démolir et il y a des gens qui faisaient les murs contre les maisons et je les avais dit que ce n'est pas du bon travail parce que ça ne peut pas résister parce que l'eau est trop forte. S'il y a les vagues qui frappent le mur, alors l'eau il est obligé de retourner dans la mer. Et donc je suis venu cette année, je voyais comment les gens travaillent, je dis ah tiens, ça ce sont des spécialistes. Alors ce que je vois maintenant, c'est quand même une bonne signe, je sais qu'on ne va pas se regretter, il y aura un travail solide et durable. Il y avait même ma femme qui avait demandé les gens qui travaillent ici, est-ce qu'il y a une garantie pour le travail que vous faites? Oui, ils avaient dit qu'il y aura au minimum 30 ans. Voilà ce qui est intéressant. Oh, 30 ans de garantie, ça c'est bien, vraiment rassurant. Toujours dans votre émission Vision Tourisme Durable, nous sommes toujours sur les chantiers de restauration des plages de Sali. Mais cependant, on note aussi une inquiétude du côté des populations riveraines. L'inquiétude, c'est que bon, la mer est trop avancée. Et comme ils ont commencé les travaux, et en concernant la plage, bon, je crois qu'ils vont aménager toute la plage, quoi. Je crois qu'ils ne vont pas seulement aménager le site des hôtels, sans aménager aussi le site du village, quoi. Nous avons que notre plage. Bon, les enfants, ils ont leur pirogue, ils ont la pêche. Bon, si la plage est prise par la mer, ils n'auront plus de travaux. Bon, et ce sera dommage pour les familles, quoi. Je suis là depuis plusieurs mois et je constate que depuis que les travaux sont faits, la plage est un petit peu envahie. Et la plage se rétrécit un petit peu, donc il serait souhaitable peut-être qu'on songe à faire les travaux un petit peu plus en avant sur Niarniaral, car nous sommes de nombreux résidents à apprécier cette plage.